Et salut tout le monde, c'est MagLeon85. Aujourd'hui on se retrouve dans Pokémon Platine sur la route 215. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc on se retrouve. Non, c'est pas ça. On se retrouve sur Pokémon Platine pour la suite des aventures de notre dresseur. Aujourd'hui nous allons revenir à Uniopolis pour partir ensuite vers Bonville. Pour partir vers Celestia. Donc on va faire en marchant, hein, tranquillou. On va repasser par la route 209, donc nous sommes à la route 212 en fait. J'étais pas du tout. Et la route 211. J'avoue, il n'y a pas de route 211. Il n'y a pas de route 211. Ah ouais. Ah c'est là. Ouais, c'est mal fait parce que normalement, voilà, on n'arrive pas là. Et hop là, ensuite on va se passer ça pour venir à Vestigion. Mais nous sommes pas ici. Continuons notre aventure. Dépêchons-nous. 16h17, 16h47. Nous finissons. Ok. Alors, lui. Ok, j'ai utilisé une petite super potion sur Etorval. Salut. Je trouve ça sûrement de combien dans une telle moiteur. Cadavre, ils ont tous des cadavres sortis. Défense plus, là, j'ai une attaque qui... Yes, on t'a raté. Et meurt. Et il va pas mourir. Ah bah si. Le critique qui me sauve la vie. Parfait, donne-moi tout XP. Yes, presque la moitié. L'évolution aujourd'hui, oui, oui, tout à fait, l'évolution. Ça, hop là, total soin, très bien, ça me fait plaisir, même si après ça servira à rien. Alors, dans version blanche, ici, ces flaques d'eau, vous pouvez avoir un Pokémon qui apparaît, dans version blanche. Oh, double combat, combat double. Tourvol, Karmache, j'ai gardé Karmache. Des sons bleus, putain, ça sert strictement à rien. Pardon pour le mot. Ah, c'est des rangers. Fais faire pour l'environnement, bien sûr. J'utilise la voiture qui pollue plus, bien sûr. Marine et un champagne feutre. Je sais plus ce qu'il faut. Alors, il y en a un qui va attaquer celui de gauche, il y en a un qui va attaquer celui de droite. Lequel? Celui qui est à gauche va attaquer celui de gauche, celui qui est à droite va attaquer celui de droite. Je sais pas si vous avez compris. Maintenant, regardez. J'avais bien guéri. Raté, t'es trop rapide, donc plus ça servait à rien. Je vais pas mourir, hein. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Oh non, le chien. Voilà, puis continue de tomber. Toi, tu guéris. Je vais utiliser tranche. Ah, le noob. Il essaie d'utiliser Ruse, mais là, t'es mort. You're dead. You're dead. Pop. Parfait, donne-moi ton XP. C'est bon. C'est tellement bon. Oh. Le bâtard. Attention, j'ai fait un truc. Ça va être classe. Toi. Alors. Vous savez maintenant ce que je vais faire. Oh le bâtard, il attaque pas en premier. Enfin il attaque en premier plutôt. Ah, je savais pas, merde, pas grave. Je voulais qu'il attaque en premier justement une tourvol pour qu'il puisse ramener l'autre. Yes. Attendez, je vérifie un truc. Ok, c'est bon, je crois que j'avais pas activé mon micro. J'avais les boules. Aéropiqué et Dracorage, allez voilà, on finit ça vite fait, bien fait. En plus c'est un filali.
vous savez ce que je sens, moi? Je sens l'odeur. Je sens l'odeur de l'évolution. Oh, quel noob. En plus, c'est Pokémon Ranger. Ah oui, d'accord, c'est touché, c'est pour ça. Je ne savais pas compris pourquoi. Éropic, étrange. Allez, qu'on finisse. Et qu'il y en a un qui évolue. Évolution. Attention. Et le... Quoi? Yes! C'est pas le bon que je voulais, mais c'est pas grave. Attends d'apprendre ta conquête. C'est bon. Objet, une capacité, on va habiller tourbissable. Malheureusement, tourbissable est oublié, mais c'est pas grave. T'as fait une petite attaque de toucher, puis en plus, il y a beaucoup plus de PP. 5 PP en plus. En dragon, c'est très bien. Plus c'est puissant. Attendez, ma souris a fait chier. J'ai le temps d'ailleurs, ça sert à rien, ça marche. Et voilà, je suis dégoûté. Je crois qu'il allait vraiment évoluer maintenant. Passez. Toi, tu m'attaques pas. Le manoir Pokémon, 16h22, il nous reste encore pas mal de temps, toi. Désolé. Alors... Alors lui, il m'attaque en nuit. Et ces deux-là, ils m'attaquent tout de suite. Comment faire? On va faire les deux en même temps, ça va être cool. Ça va être cool. Pourquoi ça va être cool? Parce que... C'est trop con, mais c'est trop cool. Je m'interpose pendant le bisou. Embrasse-moi. On va commencer maintenant, tu finis notre pareil? Bah, depuis longtemps, ma petite. C'est moi qui vous attends. Parfait, vous complétez mon Pokédex, ça me fait plaisir. Aïe, 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 aïe. Aïe 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 aïe. Pourquoi je dis aïe aïe? Bah, c'est un petit peu simple. Ouais, c'est bien ce que je voyais. Sur mon écran tactile, je vois les Pokéballs qui tremblent. Et donc, eh ben. Celle de Eftourvol tremble à mort. Oh le chien. Oh le chien. Toi, t'es mort de toute façon. Comme ça, l'attaque sera obligée de se tourner sur un pouf. Je vais pas le faire. Yes! Level 34! Attention, prends plus focus. Putain, lui, il va taper. Noobie. Mais c'est un noob. Mais c'est un nul. Il est con. Gentil feu, il a des attaques de type O. Il l'utilise même pas. Il meurt. Et parfait. Yes! Évolution! Évolution! Donne-moi ton XP! Et qu'on en finisse! Je sens la puissance augmenter, je sens l'évolution! Yes! Évolue, Tourfol! Yes! Tellement beau, tellement puissant, tellement... Tellement... T'en apprends... Grosse combat! Je la prends tout de suite et je la plante... J'oublie tout de suite. Cyclone. 2, 3 et... Tada! T'entends oublier Cyclone. Et... Et t'entends prendre Cyclone sur moi. Je refais le son, hein, parce que vous avez pas entendu. Et voilà, une nouvelle attaque, un nouveau Pokémon qui a évolué. Je suis super content. C'est sorti un jardin, il est ouvert à tous les visiteurs, mais attention les Pokémon, ça je peux pas voir. Alors ici, il y aura des Pokémon très spéciaux qui viendront de temps en temps. Oh. Oh. Voilà, ici, il va pas vouloir. Je suis désolé, mais tu ne dois pas toucher ces statues. Je n'ai pas cliqué, hein. C'est un livre hors de prix à propos de... Oui, le livre. Manaphy, Pokémon extrêmement rare que personne n'a jamais vu ni capturé. Yes, c'est bon ça. Nouvelle donnée dans le Pokédex. Y'a pas moyen de descendre direct? Si, y'a moyen, mais si je clique après, je vais tout faire bugger. Allez, c'est tellement classe. Ouais, il est bien complété. Là, y a rien du tout. Oh, j'ai raté. Manaphy, d'accord, alors il a été enregistré, mais...
Re. Je vais devoir vous laisser ici. Non, je déconne. Je vais pas vous laisser ici. Donc lui, il me donnera après des Pokémon qui seront présents dans le manoir. Voilà, il y a rien d'autre à faire. Je sais pas, je vais pas maintenant parce que c'est... Ouh, je l'avais pas vu celle-là. Dun, dun, dun. C'est de la merde. Allez, je vais mettre devant et je vous retrouve après. Hop là. Je vous retrouve tout de suite, je sauvegarde. Et je vous retrouve après, je dois aller faire quelque chose. A tout de suite. Re tout le monde, c'est bon. Donc voilà, c'est bon, je suis revenu, je retourne. 16h33, encore 15 minutes, hein, je vais me dire. J'ai failli me faire avoir. J'essaie de les choper tous les deux en même temps. Panita, Etruptor. Je me sens qu'ils ont un pijaco, c'est pour ça. Il y en a qui a un pijaco. Yes! En plus, ils donnent plein d'or. Allez, allez, Pichaco, ça se lance plus. Très bien, très bien, très bien. J'ai bien anticipé. J'en ai plus d'autres. Finalement, là. Alors, Dracogriffe, la première sortie de cette attaque. De feu, Roselia. Salut, meurs. Yeah. Voilà, sans faire un. Donne-moi ton XP, donne-moi ta puissance. Eh ben non. C'est tellement classe. Est-ce que je le hausse? Je le hausse! Sans coup critique, c'est parfait. C'est la puissance. Yes! Nouvelle évolution. Ouais. On va oublier Mimi queue. Parce que d'ailleurs, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il a une petite queue. Hein, parce que c'est de la flamme, hein, c'est pas pareil. Parfait. Donc lui il m'attaquera pas. Je peux toujours essayer la preuve. Voilà. Lui non plus. On avance, on avance, on avance. Et nous sommes de retour. Le retour. Alors lui je vérifie. C'est ça pour un peu courir mais et ce qu'il faut éviter. Si tu dis contre ça un Pokémon rare, tu devras trouver un bel arbre. Allez, comment savoir. Ok, et voilà, nous y voilà, nous y voilà. 16h36, attendez, j'ai dit 33, plus 15, 48. Guérison, guérison, guérison. Parfait. Ça c'est fait. Hop là, take that, et vous derrière le chapeau. Il n'y avait aucun rapport d'ailleurs. Et bienvenue à Bouville. Allez, maintenant à pied. Non, je crois qu'il y a bien un. Voilà, maintenant à pied. À pied, j'ai dit. À pied. Célestia, me voilà. Puisqu'on tient bon, ils n'ont pas l'intention de bouger d'un pouce, ils ont l'intention d'utiliser la poisson secrète. On a l'air d'être guéri de leur migraine. Ouais, on va se demander. Hein. Il y en a qui Google. Tellement bête. C'est gars. Oh, excellent, tu as utilisé le poisson secret que je t'ai donné. Les psychoquacks sont connus pour souffrir de maux de tête chroniques. Les personnes ne savent ce qui provoque leur migraine. Ah, je me dis, je veux te demander un petit peu dans la... Je voudrais que tu livres ce vieux gris à ma mamie à Celestia. Je sais qu'il y a des Pokémon rares sur la route qui mènent à Celestia, le voyage te sera profitable. Merci, madame. C'est la
doyenne de CSA, quant à l'emplacement, regarde ta carte si tu veux pas le louper. Ce serait bien, je compte sur toi. De toute façon, t'es obligé de suivre la route. Pas de Pokémon, pas de Pokémon. Yes. Ils sont pouce. Yes. Ici, il y a des Ponyta aussi. Mais ils sont niveau 20. 24. Je crois, donc c'est vraiment inintéressant. Alors, on va aller au milieu. Et mince. J'ai craqué. Ok. Ah, niveau 21 en plus. Ah oui, c'est aussi plus bas que je pensais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune. C'est pas très intéressant. Je dégage. Hein. J'ai pas un petit niveau d'écart. Oulala. Ouais, bah oui, c'est route 210, donc c'est la suite de l'autre route. Hein. Alors, ici, je vois quelque chose. C'est là-bas, faut que j'aille. Karmash Pony. Roselia, faut que je t'XP un peu. Karmash aussi, faut que je continue à te pex. D'ailleurs, je vais voir combien d'XP te reste. Oh là, putain, 3K. Oh, c'est pas vrai, je voulais aller là-bas déjà, je voulais voir un truc. Des Ponyta, je l'avais dit. Hop, la fuite. Ça sert à rien de les combattre. Perte de temps. Ah, il y en a un ici. Je vais le combattre. Alors, mince, ah, je l'ai raté. Vous avez bien regardé dans l'air que si tu es en bas à gauche hein, quand je vais fuir, vous allez voir. Il est très visible. Alors, ici, juste en dessous de moi, voilà, hop là. Ils sont trois. Voilà, je fais partie du trio ninja, voilà, donc faut que je les trouve. Normalement, faut éviter, mais bon, voilà, moi je les trouve. Parce que justement, je veux XP. Alors, donne-moi ton XP. Non, c'est vrai, ce sont des ninjas, j'ai oublié ça. 9 Serapti, ça va être que de ça. Putain, c'est pas puissant du tout, même. Aïe. Je suis KO. Quoi, il me critique. Ouais, s'il veut. Ça fait un peu bizarre. Pour un... Ouais. Ouais, je préfère. Ouais, bah tu mens, de toute façon. Roselia, ouais. Je n'ai pas très avantagé dans ce genre de combat. Je pense pas qu'il va me tuer. Je suis sûr qu'il peut tenir. Yes, je l'avais dit. J'ai cassé. Donne-moi ta puissance. Critique. Alors là, je pense que c'est critique. Aïe, raté. C'est pas grave. Ils sont débiles, putain. Mais ils sont débiles. Regardez, c'est sûr de gagner. Je le promets si ça marche. Ah, c'est mauvais, pas grave. Ça aurait marché, ça aurait été un miracle. Et il est débile en plus, il a utilisé un regard noir. Non, mais vraiment, j'ai des fois, je me demande s'ils ont pas des problèmes dans leur tête. Tranche. Meurs. Malheureusement, ouais, je boxerai notre chère Roselia dans un autre endroit, parce qu'ici, là, ça va être impossible. Ça c'est chiant ça, l'équipation. Ça augmente quelque chose de beaucoup. N'importe quelle stat, je crois que c'est ça. Je sais plus. Oh. C'est quoi que ça augmente? Ouais voilà, vous voyez, ça augmente n'importe quelle attaque. Ah non, j'ai utilisé Radrif. J'étais pas obligé de ça. C'est une perte d'attaque. T'arrêtes de plaindre. Mais yo. Non mais faut pas que je cours aussi. C'est encore un Ponyta. Un noir Roselia. Un Roselia. Oh, le premier Roselia que je rencontre en sauvage. Ah, souvent le mien, Star Wars bouton. J'ai pris que des dernières évolutions, pardon. De toute façon, je préfère avoir les dernières évolutions, c'est beaucoup mieux. Comme ça, c'est vous qui le puxez, c'est votre Pokémon à vous. Alors que si vous le prenez déjà évolué, c'est pas très intéressant. Pop.
Vendetta. Wow, ça va, pas trop cheater le truc. Je trouve le trio, puis ensuite je vais guérir un Pokémon. Et je reviendrai à la charge. Vendetta, je parie. Yeah, j'aurais dû utiliser depuis le début. Ça hausse. C'est tellement puissant dans vos griffes. T'as un accrochage, ça n'a rien à voir à côté. Hein. Yes. Alors je cherche le dernier, j'ai même pas couru, d'accord. En Chine, ils sont magnifiques par contre, les Pokémon. Les Chinois, ils sont bleus. Ouah, un bleu, mais tout simplement magnifique. Et le dernier est là. Ah. Je combat, mais comment as-tu découvert toi aussi? Tu fais ninja? Yeah, moi je suis parti ninja, ma gueule. Ouah. Un Pokémon, une fouette. Pour finir, niveau 33. Un petit peu de retard, un petit peu de retard, ouais, selon moi. Après, selon vous, peut-être pas. Yes! Ne pas mourir. Tranche. Et voilà, c'est fini. C'est fini pour toi, Bouffouette. Allez, hop. Malheureusement. Admets-la, tu as intérêt. Car un bon ninja admet toujours sa défaite. Ça, je fais tout de suite. Parce que je me sens qu'avant, j'XP ici. Ils ont destruction. Mais c'est trop chiant ça. En plus c'est puissant. Non c'est explosion. Explosion pardon. Yes, c'est bon. Sorti. Voilà. Le brouillard. Anti-brume. Ça change rien. Avec anti-brume ou pas, de toute façon, dans tous les cas. Hein. Si je pouvais utiliser la capsule. Comment m'installe cette capacité sur un paquet d'oiseaux ou sur le type insecte qui bat des ailes pour des sources? Tout à fait. C'est totalement ça, il a tout décrit. Hop là, nouveau ninja. Le quatuor. Je t'ai fait peur. Hein. Le temps que tu as 3 mètres de tes illusions, j'aurai remporté la victoire. Ça fait tellement peur. Je m'étais pas du tout préparé. Hop là, Nosferapti, tu vas mourir. J'aurais tué un peu moins, ça serait. Ma télécommande. Ah, je suis dégoûté. C'est une blague. Voilà, c'est pas faire. Oh le critique. Heureusement j'ai critique, hein, sinon j'aurais perdu. Yes. A 34. Pas de nouvelle attaque, m'étonne pas, j'en ai appris juste avant. Oh, Nosferatu. Alors là, c'est incroyable, ils sont presque tous niveau 34. Ponyta et Chuchun. Ensuite Torterra. Dépendra quel Pokémon il en verra après. Celui-là il donne pas mal. Pardon, je remettais quelque chose. De feu. Je remettais mon casque. Allez, meurs. Je suis confus. Je suis confus. Yes! Je t'aime, Rita. Cruel, c'est de là que ça vient. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, cruel, cruel. On peut prendre qu'il y a cru de vous. Le bâtard. Attends, il va bouffer le Pokémon. Bon, c'est bon là, il va arrêter avec sa confusion. Oh la blague, j'ai rien enlevé. Bon, ben, je vais finir par l'écrasement. Hein. Je vais finir par l'écraser ce Pokémon. Hop là c'est fini. Ça y est, ça a tous mis dans le rouge le petit bâtard. Ah. On fouette, on change de Pokémon. Luxray et Tauraptor, Carmash.
temps du Torterra, je vérifie combien il lui reste. Oh là là, putain, il est tout en bas, bon bah les Torterra, c'est ton tour. Faut que tout le monde participe. Allez, allez. Oh, je vais faire mal avec ma tourmelle technique. Vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts. Vous l'avez encore jamais vu. Ce sera la première fois peut-être que vous la verrez. C'est... Ah non, ce sera toxique d'abord. D'ailleurs, ça c'est un petit bâtard. Et oui, c'est surpuissant parce que c'est un type poison. Faiblesse et poison, sol et psy. Oh. Quoi, c'est tout? C'est une blague? Rapion, rapion. Je continue le combat, je suis en fou, je suis en fou, je suis en fou. Type insecte sol. Non, type insecte poison, pardon. Ça, je pense à sol parce qu'on est trop dans les déserts. C'est pour ça que je pense sol. Il est déjà empoisonné, sale bâtard, ça sert à rien, cette technique. Je vais vous quitter en allant guérir Torterra. Putain, mais c'est vraiment débile ça. Il lance deux fois. Ouais, ça se prouve que ouais, c'est pour être sûr qu'au prochain, la prochaine vague, s'il me tue. Voilà, mais bon, c'est moi qui tue avant. Salut. Ah, je suis un bâtard, je tue avec une attaque peu efficace. J'aurais pas aimé. Hop, un petit peu d'XP. 33 à la moitié. Pas d'évolution, c'est tout à fait normal. Oui, bah c'est bon, c'est l'heure de se quitter. Ça va être l'heure de se quitter. Hein. 16h50. 16h50, encore 5 minutes et je suis à 18h de jeu. Je suis rendu à la moitié de ce que je veux faire. Et non, il y a encore. Je suis pas rendu à la moitié. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'ai créé le Pokémon avec vous. Et je vais vous laisser. D'ailleurs, j'ai bien cogé sur le temps, même. 15 en 48, c'est bon, j'ai cogé 10 minutes. 32 minutes, normalement, pour la vidéo. À peu près. Maintenant, 30 minutes. Je pense, ouais, 30. Peut-être par là. Hop là. Ouais, plus confortable de d'empêcher de se voler sur un étoraptor. Donc, utiliser vol avec un étourvol va être petit. Attends, maintenant ça va être beaucoup mieux, je pense. Et voilà, voilà, voilà. Voilà, je suis bien content. C'est dans cet épisode donc on a eu Étoraptor. 3 Pokémon qui ont évolué, c'est totalement incroyable. Il n'en manque plus que 3 encore, hein, la moitié. Voilà, presque tous niveau 34. Roselia, il faut une pierre aube. Je sais pas quand est-ce qu'on la trouvera. J'espère bientôt, ça serait cool. Karmage, lui, je crois que c'est dans le niveau 50. Voilà, donc c'est pas tout de suite du tout, hein, va falloir attendre un peu. Ponyta, c'est bientôt. 40, niveau 40. Yes, niveau. Puis Roselia, voilà, la pierre. Donc, je vais les mettre dans l'ordre. Il faudra que je les pex. Heureusement, ça sera pas dans... Ça respectera pas. Voilà. Petit 4000, oh là là, c'est incroyable. Toute l'XP qu'il faut pour un Karmage, quoi. Dans Terra on a beaucoup moins. Bonita. Genre, oh là là, dans Terra on a beaucoup moins que les autres. Roselia on en parle pas. Vraiment, il a pas besoin de beaucoup d'XP. Hein. Et Karmash c'est la totale. C'est lui qui me donne le plus. J'ai cru sur le temps, j'ai cru sur le temps, alors merci. Je vous remercie tout. Je vous remercie. Je vous remercie à jamais assez de regarder mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 26, je crois. Ouais, l'épisode 26. Alors je vous dis salut tout le monde et à l'épisode 26. Salut tout le monde.